Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Louisanne. Alors, je suis avec vous pour un nouveau live du mercredi soir 20h. Alors, ce soir, nous commençons une nouvelle ère de live. Alors, je vais vous expliquer en entrée qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre que les gens se connectent parce que je veux être certaine que tout le monde entend mon explication et surtout mon intention. J'ai une intention très, très, très claire en instaurant cette nouvelle ère de live-là. Alors, on va attendre que les gens se connectent et dès que le maximum de gens est là, je vais vous expliquer notre plan de match pour les prochaines semaines, si ce n'est pour les prochains mois. On va partir une vague de libération puissante. Ça fait déjà un bout de temps que je réfléchis à l'idée et c'est ce soir que ça part. Alors là, je vais faire mes petits coucous. J'allais voir qui est là. Jojo est là. Louise est là. OK. Alors, faites-moi des pouce, faites-moi des cœurs, je vais aller voir si ça fonctionne cette semaine ou si c'est juste mon Facebook qui fonctionne pas pour les cœurs et tout ça. Donc, Louisette est là, Valérie, Nina, allô, allô Nina, Louise André, Martine, Mirella, Louise, Nicole, ok, Suzanne, Julie, wow, ça se connecte, c'est fou, Yvan, Diane, Chantal, Joanne Laflamme, Tammy est là aussi, Julie est prête, prête, pas prête, Julie, on part bientôt. Sandra se connecte aussi à nous. Je crois, Sandra, que tu es loin, toi. Je me souviens pas exactement où tu habites, mais je sais, il me semble que tu es loin. Alors, Ginette est avec nous. Donc, écoutez, si vous m'avez, pardon, j'ai un petit, si vous m'avez fait des pouces et des cœurs, je n'ai rien vu. Alors, il y a vraiment une petite fonction ici qui ne marche pas avec mes Facebook Live depuis 3 semaines. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est la vie. Alors, Ginette, Sylvie est là. Donc, c'est le temps de partager sur vos réseaux. Ce soir, on fait du EFT, Emotional Freedom Technique en français. TLE, technique de libération émotionnelle. On va partir une vague de libération et ça va être puissant parce que quand on le fait en groupe, c'est toujours, toujours plus puissant. Coucou Mireille, hey! Coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, Sandra, Nouvelle-Calédonie, Sandra, je savais que tu étais loin. Je le savais, hey, wow, bravo de te joindre à nous. Oui, me dit Martine, il y a bien des cœurs et des pouces. Tant mieux si vous les voyez, je ne les vois pas. Alors, je ferai un reset de peut-être mon Facebook. Francine est là. Allô, Lana. Bonjour, bonjour. Ah, hey, il y a une. J'ai vu peut-être passer une Anne Desroches que j'ai vraiment pas vue depuis longtemps. J'ai vu son nom en tout cas passer. On est rendu près de 45. Denise, Suzanne. Bon, alors là, c'est parti, mon kiki. Donc, vous transférez sur vos réseaux. Nous faisons du EFT. Depuis près de, je dirais, on va le compter ensemble. OK, j'ai commencé à faire mes lives en février passé de l'autre année. Février de l'autre année. Donc, février, mars. OK, alors février à février, un an. Alors, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, un an et presque 8 mois que je fais des lives. Un an et presque 8 mois. Oui, coucou Anne. Un an et presque 8 mois que je vous donne de la matière, que je vous fais des enseignements, que je vous donne des clarifications. Vous me posez des questions, on jase ensemble, on parle de toutes sortes d'affaires. J'ai fait plus de 40, quelques, peut-être 50 lives. Donc, c'est des heures et des heures et des heures de matière que je vous ai donnée. Tout ça est encore là dans la section vidéo de ma page Facebook. Il y en a plusieurs qui ont été transférés sur ma page YouTube. Donc, si vous êtes des nouveaux arrivés sur la page de Louisanne, ben, vous pouvez avoir accès à tous les anciens lives dans la section vidéo sur Facebook et comme je vous dis, plusieurs sur YouTube. Donc, j'ai donné énormément d'enseignements.
Vous pouvez aussi, si vous voulez avoir encore plus d'enseignements, aller écouter mes émissions de Radio Mieux-Être. Je crois que j'en ai 12 aussi, 12 heures d'enseignements qui sont là. Je publie un blog à toutes les deux semaines depuis plusieurs mois avec des articles de fond qui viennent des fois reprendre les thèmes de mes lives, mais pour que vous puissiez les avoir par écrit, parce que plusieurs m'ont demandé d'avoir des supports écrits des enseignements que je faisais. Donc, ça fait des mois et des mois et des années que je donne des enseignements. Et là, je me suis dit, et je l'ai dit aussi à différentes personnes, je crois que ce qu'il y avait à dire, en tout cas d'essentiel, a été dit. Il y aura toujours des enseignements qui vont venir s'ajouter. Je suis une chercheuse, je découvre la magie de la vie à tous les jours, encore maintenant. Ça va toujours me faire plaisir de venir vous rencontrer et vous raconter des trucs. Mais là, j'ai une nouvelle intention avec vous. J'ai fait un petit peu de sondage autour de moi et j'ai décidé que pour quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois, nous allons nous retrouver le mercredi soir ensemble comme ce soir et nous allons faire du réel dégagement. Hein? Des concepts pleins notre tête, on a déjà des idées de c'est quoi le sens de la vie, on l'a déjà. Ce qui je crois, est notre priorité, est d'installer de la joie, du bonheur, de la facilité, de la simplicité. Dans le fond, je crois que ce à quoi nous aspirons tous, c'est de sortir de la dualité. Sortir de ce monde de bien, de mal, de bataille, de qui a tort, qui a raison, dans lequel on peut se laisser prendre, bien évidemment, parce qu'on nous a pas vraiment enseigné autre chose. Et on se laisse prendre à vivre avec des peurs, un peu de culpabilité. On vit dans un monde de violence. Il y a des croyances, il y a de la rancune. Il y a plein d'amour aussi. Il y a plein de magie, il y a plein de joie. Il y a les deux pôles. Et je crois que nous avons tous ce grand élan commun de venir alléger notre vie, de venir alléger ce chemin de notre âme qui est en incarnation pour se libérer, pour guérir, pour apprendre, pour se souvenir de qui il est. Hein? J'ai beaucoup changé mes mots, là, puis je viens de le dire, je me suis entendue. Je crois pas qu'on est venu vraiment apprendre tant de choses. Je crois profondément de plus en plus qu'on est venu simplement se souvenir de qui nous sommes. Mais pour se souvenir de qui nous sommes, nous devons enlever la friture sur la ligne. Et ça, la friture sur la ligne, c'est toutes nos mémoires de limitation, nos expériences pas réglées de cette vie-ci, de d'autres vies, de nos mémoires transgénérationnelles. Aujourd'hui, j'ai une étudiante magnifique qui a fait une supervision devant moi avec une amie cliente. Et la mes cliente était comme complètement épatée de réaliser que ce qu'elle avait vécu dans les 10 dernières années avait vraiment une source au niveau de son âme, avait un impact aussi qui venait du transgénérationnel, d'un arrière-grand-père maternel, qui avait des trucs qui venaient de qu'est-ce que sa mère avait vécu dans sa grossesse. Donc, on est gorgé, on est chargé de friture sur la ligne, on va l'appeler comme ça, qui est la somme de nos mémoire limitante de ce qui n'a pas été réglé. Donc, on est venu en incarnation pour œuvrer en soi. On est venu mettre de l'espace. On est venu se mettre plus en neutralité. On est venu commencer à installer le point zéro. Je vous dirai pas, j'ai changé hein, au fil des années dans mes enseignements. À une époque, je disais, on est venu installer de la lumière. Oui, on est venu installer de la lumière, mais une sorte de lumière spéciale que j'appelle, moi, la lumière du point zéro. C'est-à-dire une lumière neutre, une lumière bienveillante, une lumière émanante qui est pas placée dans ce qui est bien, dans ce qui est mal. Donc, on se suit jusqu'à maintenant. Donc, pour libérer,
pour conscientiser, pour se mettre à agir et à manifester autre chose dans notre vie, ben, on va se mettre à œuvrer ensemble. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente? Faites-moi des pouces et des cœurs, même si moi je les vois pas. Vous autres, au moins, vous allez voir si ça vous tente. Est-ce que ça vous tente qu'on vienne œuvrer ensemble à venir s'alléger? Alors, c'est vraiment ma profonde intention à partir de ce live-ci. Et là, ben, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez inviter tout le monde que vous voulez, qu'ils aient suivi les lives avant ou pas du tout. C'est pas grave. On va partir une vague de libération dans la francophonie. Est-ce que ça vous tente, hein? Donc, on va propager la bonne nouvelle et on va le faire ensemble. À tous les mercredis soirs, on va se donner une grosse demi-heure d'accompagnement, 40 minutes d'accompagnement. Vous le savez, je dépasse tout le temps un peu. Donc, d'accompagnement pour venir s'alléger, pour venir se libérer, pour venir installer du point zéro, de la lumière de point zéro dans notre vie où on va devenir beaucoup plus des observateurs de ce qui nous arrive, que des joueurs qui sont impactés avec parfois un sentiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup être bousculé. Donc, c'est ce que je vous propose. Oui, Jojo, avancez la valise plus légère. Surtout voir plus clair, parce que ces corps de souffrance qui nous accompagnent depuis des vies et des vies sont nourris presque quotidiennement par toutes sortes d'événements de notre vie, et on va enlever ce voile-là et on va regarder la vie différemment. Alors, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'ai parti le mouvement S'élever ensemble. Si jamais vous l'avez pas fait, vous pouvez encore vous inscrire sur mon site aux 21 jours pour S'élever ensemble. J'ai parti les journées S'élever ensemble pour qu'on soit ensemble à s'élever. Parce que le faire tout seul, ça peut être long, ça peut être difficile. Donc, on va le faire ensemble, live. Comme ça, les mercredis, et dans des belles grandes journées puissantes et profondes, 4 fois par année. Donc, c'est mon objectif. Dans ces voiles qu'on a accumulées de limitations, il y a des choses qui nous appartiennent à nous, mais il y a aussi ce que moi j'appelle des karmas collectifs, des mémoires collectives qui traînent un peu partout, ici et là, quand on se promène sur Terre, des mémoires familiales, je vous en ai parlé tantôt, des mémoires d'ethnie, de quelle race on est, il y a des mémoires qui sont là, il y a des mémoires juste du fait qu'on soit un homme ou une femme, il y a des mémoires. Donc, on va aller jouer dans tout ça. On verra à quel niveau, semaine après semaine, nous allons transmuter. On va se libérer et on va vraiment, tellement changer notre niveau de conscience et notre fréquence qu'on va être capable de capter de l'info quantique. Et puis moi, quand je dis de l'info quantique, c'est toute l'information magnifique qui est là partout et qu'on ne peut pas capter parce qu'on est pris dans notre nuage. Donc, on va alléger le nuage, on va alléger notre banque de données dans notre cerveau émotionnel pour être capable de capter l'infinie possibilité de manifestation, de joie, de bonheur, de légèreté qui nous entoure. Et ça, ben, on va sortir tous ensemble de nos ornières, hein, de nos limitations, on va sortir de nos projet ou je dirais de nos réactions automatiques presque de mammifères. Hein? On a un cerveau mammiférien et il se laisse aller encore le pompon assez solide, bien accompagné de notre ego et de notre mental. Donc, on va faire ça. Donc, je crois que ça vous tente. Je crois que ça vous tente de faire du EFT. Tout le monde ensemble. Et c'est le fun, là, parce que moi, j'ai un outil magique, vous le savez. J'ai des petits doigts ici qui testent dans une banque de données que j'ai montée. Vous la voyez comme ça, hein? Des centaines de pages d'informations. Et je vais, toutes les semaines, tester. Tester, oui. Pour les gens qui sont live, là, on est 77 live présentement. Avec moi, 78, on est 79. Donc, je vais tester dans l'inconscient de tout le monde. Qu'est-ce qui serait la première affaire à dégager? Hein? On en a fait un petit peu la semaine dernière. On va en faire encore plus à chaque semaine. Donc, je vais tester avec mon cartable de kiné. C'est un test musculaire. Hein? C'est pas de la magie.
Je ne suis pas une voyante extralucide, même si j'ai beaucoup d'intuition. Alors, je vais tester. Alors, je ne peux pas tester sur mon bras, donc je vais tester sur mon doigt et je vais tester dans une banque de données. Je vais tester ce qu'on va dégager tout le monde ensemble ce soir. Alors, j'y vais, je rentre, je vais me déposer et je vais vous demander, chacun chez vous, de vous déposer. Je ne vous vois pas, je vous fais confiance. Je vais vous demander d'inspirer profondément, d'expirer et de venir juste vous centrer et de faire l'intention que la donnée la plus puissante pour aider le plus grand nombre à dégager la chose la plus importante en premier. Hein, c'est disons notre première officielle ce soir. Donc, centrez-vous. On inspire, on expire et je vais faire moi l'intention d'avoir la donnée la plus puissante qui va nous donner un indice de qu'est-ce qu'on va dégager en EFT. Quand on va l'avoir trouvé, je vais vous rafraîchir. Si vous ne le connaissez pas, l'EFT, je vais vous montrer comment, c'est Bibi-Fafa. Et je vais vous le rafraîchir. Et après ça, on va partir et on va le faire tout le monde ensemble. Donc, on y va. On y va. Alors, je vais me mettre au point zéro. Et je vais faire l'intention d'avoir le thème le plus pertinent et le plus puissant pour tout le monde qui est en ligne présentement et pour tout le monde qui écoutera demain, après-demain et dans la prochaine semaine et pour toujours. Alors, le meilleur thème pour tout le monde, on y va. Mes petits doigts sont partis. Un, deux, oui. Un, deux, trois. Je m'en vais dans la section émotion. On va aller dégager une émotion. Je ne suis pas trop surprise. J'ai 27 pages d'émotions. On va aller voir c'est laquelle. Est-ce qu'on est avant 10? Non. Est-ce qu'on est entre 10 et 20? Oui. Entre la page 10 à 20, la page 10, 11, 12, 13. On est dans la page 14. On y va. Oui, page 14. 14, je vais vous montrer. Hein. Peut-être que vous êtes curieux. Voyez-vous, c'est des banques de données comme ça. C'est des listes et des listes et des listes d'émotions. J'en ai 1700 quelque chose. Alors, on est dans la page 14. Dans la page 14, il y a deux colonnes. Alors, je vais demander la donnée que je cherche pour tout le monde ce soir. Est-ce qu'elle est à gauche? Non, elle est à droite. À droite, j'ai quatre blocs. À gauche, j'en avais aussi quatre blocs. Donc, on va aller chercher dans quel des quatre blocs j'ai la donnée de ce qu'on va dégager ensemble ce soir. Un, deux, trois. Troisième bloc, c'est la bonne place. Oui, on l'a. C'est ça? Oui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On l'a. Alors là, c'est vraiment plate que je vois pas les cœurs, puis que je vois pas les. Mais faites-les pareil, parce que vous autres, vous allez vous voir, mais venez m'écrire, s'il vous plaît, si la donnée que je viens de tirer, de tester, vous parle. Nous allons, ce soir, dégager quelque chose qui s'appelle de la mélancolie. De la mélancolie, c'est comme un fond de tristesse. Le regret de certaines choses. Regarder dans notre vie passée avec mélancolie. Donc, avec des regrets, avec de la tristesse. Voyez-vous un peu, vous pouvez venir m'écrire si ça vous parle. Alors, venez me dire si mélancolie vous parle. Si ça vous parle, que ce soir, on dégage mélancolie, fond de tristesse, pour venir dégager quelque chose. Vous pouvez tout de suite. Commencez, puis vous allez voir, à chaque semaine, là, vous allez prendre le tour de comment on va faire ça. Vous pouvez tout de suite trouver un événement dans votre vie, un événement pour tout le monde, où quand vous pensez encore à cette chose qui est arrivée dans votre vie, vous ressentez soit de la tristesse ou de la mélancolie. Donc, je vous donne une minute pour y penser et vous pouvez comme le prendre en note. Alors, on dégage ce soir quelque chose qu'on appelle de la mélancolie. La mélancolie, là, c'est comme un vague à l'âme. C'est comme un peu mon. Ah, vous m'avez répondu. Alors, oui, ça parle. Oui, ça touche. Oui, nostalgie, parfait. Oui, tellement. Oh my God, tellement. Oui, ça me parle beaucoup. Alors, fond de tristesse, oui, à la mélancolie. Ah oh, oui, bon, ben là, je suis donc contente. Colin, Debine. Oh que oui, fond de tristesse. Ben, yeah! On fait la vague. Alors, ce soir, ma belle gang, nous allons dégager
La mélancolie. Alors, vous allez trouver un événement dans votre vie, un événement, la foi que c'est encore plus précis, sinon une dynamique, la mélancolie en lien avec les relations amoureuses, la mélancolie en lien avec mon enfance, la mélancolie en lien avec mes enfants, la mélancolie en lien avec mon travail, la mélancolie en lien avec un événement précis. Vous allez me trouver ça très rapidement. On n'a pas, on peut pas passer 15 minutes à chercher. Alors, vous me trouvez ça. Pendant que vous cherchez l'événement ou la couleur de la mélancolie que vous, qu'on va dégager ensemble ce soir, je vous rafraîchis les points de EFT. La semaine dernière, on a fait 8 positifs, 8, en tout cas 3 fois 8. On ne fera pas ça. J'ai testé pour vous qu'il fallait, pour que ça soit le plus efficace possible pour le grand groupe, qu'il fallait faire le grand circuit de EFT au complet. C'est-à-dire qu'on va y aller au complet. Vous allez voir, ça fait... On va taper tous les points. Est-ce qu'on a besoin de faire les yeux? Non, on a besoin de faire les yeux. On a besoin, par exemple, de faire le tapotement ici en chantant et en comptant. Donc, l'EFT. Emotional Freedom Technique vient de Callahan, d'une autre technique très évoluée, mais très compliquée. Un de ses étudiants, Gary Craig, un ingénieur, a simplifié le TFT, qui était le Thought Field Therapy. Là, on est dans des thérapies évoluées qu'on appelle des Power Therapy, qui viennent de la Californie, c'est tous des psychologues qui ont trouvé ces techniques-là. Donc, le EFT, Gary Craig, c'est le père du EFT, a déterminé des points sur le corps qui sont des points sur des méridiens d'acupuncture et que quand on tapote sur ces points en pensant à quelque chose de particulier, on défait un court-circuit qui est dans notre système limbique, qui est notre cerveau émotionnel. Alors, le EFT, ce que ça fait, là, c'est que dans notre cerveau émotionnel, quand il se passe quelque chose de difficile et que là, on a vraiment beaucoup de peine, il se fait comme un court-circuit, tic, et il y a quelque chose qui est barré. Et on macère dans cette peine-là tant que le tic est barré. Alors, quand on fait du EFT et qu'on tapote les circuits des méridiens, ça s'en va dans le cerveau émotionnel et ça débarre le court-circuit et on peut penser à l'événement, on peut penser à cette situation-là et on est libéré et ça nous fait du bien. C'est sûr que là, on va le faire ce soir d'une façon quand même assez rapide. On va le faire tout le monde ensemble plusieurs tours quand même, mais je vous invite à pratiquer dans la semaine jusqu'à temps qu'on se retrouve la semaine prochaine sur le thème qu'on a trouvé. Puis après ça, ben on va voir de semaine en semaine comment tout ça va se définir. Alors pour ce soir, on fait du EFT sur la mélancolie. Le premier point est au coin du sourcil. Faites-le pas tout de suite. Vous pouvez vous pratiquer, là. Mais on n'est pas parti, là. Je vous fais un tour de pratique. Donc, au coin du sourcil ici, premier point. Deuxième point, sur l'os ici. L'os ici. OK. Troisième point, en dessous de l'œil. Quatrième point, en dessous du nez. Je vais le faire avec vous. Vous pouvez juste m'imiter. Menton, creux du menton. Après ça, on s'en va ici, au coin de la clavicule. Puis là, ça peut être un côté ou l'autre. Vous pouvez faire les deux en même temps. Alors ça, dites-vous pas, oh mon Dieu, elle a quelle main, puis quelle barre qu'elle fait. Pas important. Alors, ici comme ça. Après ça, à quatre doigts, ici. Pour les filles, où est-ce qu'il y a notre soutien-gorge? Ici. OK? Après ça, je vais me lever un petit peu debout, que vous me voyez. Après ça, on le fait ici. OK? C'est les 8 points principaux. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ce soir? On va faire la main, le pouce à l'extérieur, l'index, le majeur, le petit doigt. On saute par-dessus l'annulaire, le petit doigt, la tranche de la main qu'on appelle le point karaté et dessus la main. Quand on va être rendu dessus la main, tout le monde ensemble, je vais le faire là, vous me suivrez. Quand on va être rendu dessus la main, on va chanter. Dessus la main, on va chanter. On va chanter parce qu'on va faire une bascule dans nos deux hémisphères du cerveau. Alors, quand on chante, on peut chanter Frère Jacques. Hein? Alors, on peut juste la bouche fermée, juste. On est dans un hémisphère du cerveau. On est dans le droit. Et quand on va compter 1, 2, 3, 4, 5, on va basculer dans le gauche. Et on va rechanter. On va rebasculer dans le droit. Et on se fait un genre de brain gym. Ça équilibre les hémisphères du cerveau. Et après ça, on va inspirer, on va expirer,
on va se déposer et on va recommencer. Donc, on va faire ça plusieurs fois, tout le monde ensemble, pour aller défaire les courts-circuits dans notre système limbique, qui est notre cerveau émotionnel, des fois que on a eu vraiment de la peine, puis qu'il y a de la mélancolie qui reste. Donc, on est le mot-clé ce soir est mélancolie. On fait du EFT sur la mélancolie. Donc, vous avez trouvé votre situation ou vous avez trouvé votre thème, genre mélancolie en relation amoureuse, mélancolie avec les enfants, avec le travail, la famille, mes frères, mes sœurs, mes amis. Trouvez-en un, s'il vous plaît. Plus c'est précis, plus c'est efficace. Alors là, j'aimerais vraiment ça voir des pouces. Je vous garantis que la semaine prochaine, moi, je m'organise pour voir des pouces puis des cœurs. Et donc, êtes-vous prêts? Prêt, pas prêt? De toute façon, peu importe, même si vous manquez un point, vous continuez. C'est pas grave. Le but, là, c'est de juste venir tout le monde ensemble, tapoter, compter, chante, compte, puis je vais le faire avec vous autres. Alors, on part, OK? 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Et on dit le mot mélancolie. Mélancolie. Coin de l'œil, on dit mélancolie. Mélancolie. En dessous ici, mélancolie. Je lève mes lunettes. Mélancolie. Oh, ouais. Mélancolie. Mélancolie. Et on est ici, coin de clavicule, mélancolie. Et on est ici, mélancolie. Et on est sous le sein, mélancolie. Sur la côte. Et on est à l'extérieur du pouce, mélancolie. Et on est à l'extérieur, mélancolie. Dites-le, mélancolie. Mélancolie. On tapote. Mélancolie. Mélancolie. Et là, vous tapez entre les deux os là, de votre annulaire et de votre petit doigt auriculaire. Vous tapez ici. Et là, vous allez chanter la bouche fermée. Vous allez compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez chanter. Vous allez inspirer. Vous allez expirer. Et on a fait notre premier tour. Alors là, s'il y a des petits trucs, je vais juste voir. Parfait. Et on recommence. On en fait un autre tour. Vous pouvez repenser à la situation. Vous pouvez repenser à la catégorie où vous avez la mélancolie. Vous pouvez aller voir tout de suite. Des fois, ça change très vite avec le EFT. Vous pouvez aller voir tout de suite si vous ressentez une émotion, si vous ressentez quelque chose. Et si vous pouvez dire « Ah oui, c'est pareil » ou « c'est un petit peu plus faible », vous pouvez aller évaluer votre degré de mélancolie. Ça va faire ça. On va voir. Et on va refaire un nouveau tour. Alors, OK, alors à trois, on repart. Pareil, on dit mélancolie. Alors, on y va. Puis, vous pouvez même ajouter mélancolie par rapport à. C'est très bien aussi. Alors, on y va. Un, deux, trois. Mélancolie. Mélancolie. Puis là, par rapport à. Vous pouvez le dire. Mélancolie. Mélancolie. Oui, ici, mélancolie. Menton. Mélancolie. Ici près de la clavicule, un côté, pas grave. Mélancolie. En dessous ici, mélancolie, hein? Un côté, ici, mélancolie, à quatre doigts. En dessous, mélancolie, sur la côte. Le pouce, mélancolie. Mélancolie. Ok, mélancolie. Mélancolie. Ok. Côté et dessus, mélancolie. Et là, on va recommencer notre truc. On va chanter un petit peu. Frère Jacques, ou la chanson qui vous plaît. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va chanter.
On va inspirer profondément, on va expirer. Et là, vous allez voir, puis là, je vais aller voir. Oui, Louise André, on peut prendre un petit peu d'eau entre chaque, ça peut certainement aider. Une chaleur à la tête, dit Suzanne, c'est fort possible. Gros frisson, dit Chantal, ça aussi, c'est fort possible. Vous pouvez, je vous l'ai dit la semaine passée, avoir des petits rapports, c'est possible. Bâiller, beaucoup, c'est possible. Se sentir comme les yeux lourds, il y a des gens qui pleurent même, mais pas de peine, de genre à sanglots, là, mais Jennifer me dit un peu d'émotion qui remonte, c'est parfait, ma belle Jennifer, tu vas continuer exactement là, c'est parfait. Alors, on va refaire un autre tour sur mélancolie. Alors là, vous repensez à l'événement, vous repensez à la fois que ou la catégorie. Vous allez évaluer maintenant, est-ce que je ressens moins de mélancolie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Parce que disons que ça bouge, je vous fais dire un peu moins de mélancolie ou moins de mélancolie. Puis si jamais la mélancolie, elle se transforme en tristesse, vous pouvez dire tristesse, tristesse. Et ça se transforme en colère, colère, colère. Parce que des fois, on rentre par une porte, puis pouf, il y a d'autres choses qui montent. Donc, s'il y a d'autres choses qui montent, ben c'est correct. Yvan me dit grande détente, oui. Picotement dans les doigts, Suzy, c'est vraiment ça. Louise, un nom qui remonte, ben alors ça là. Peut-être que Louise, c'est une mélancolie par rapport à cette personne en particulier. Alors, tu peux la nommer dans ton circuit de EFT. Donc, et là, n'hésitez pas, voyez-vous comment c'est le fun de vous venir me poser des questions. Je peux répondre. Énergie circule arrière du cou de Jacinthe. Wow, c'est super. Alors, vous êtes prêts? On fait un autre tour de EFT, énergie circule dans mon corps, dit Nina, oui, c'est ça le but. C'est de faire recirculer des choses qui étaient, je vous l'ai dit, c'est comme on défait un court-circuit dans le système limbique, notre cerveau émotionnel, et ce qui a testé ce soir, qui était notre libération de ce soir, c'est mélancolie. Je viens de regarder l'heure, il est 20h33. On va faire au moins un autre tour, sinon deux autres tours. Le but, c'est de faire vraiment quelque chose qui fait une différence. Et n'oubliez pas, vous continuez pendant la semaine. Donc, il y a d'autres commentaires, je sais les voir. Oui, alors on refait Nathalie. Nathalie, on fait des tours de EFT sur mélancolie. Donc, on repart. Alors, à trois, on refait un autre circuit. N'oubliez pas, si ça l'a changé, vous changez le thème. Le thème, moi, je vais dire mélancolie. Mais vous autres, vous dites qu'est-ce que vous voulez. Alors, on y va. Un, deux, trois, c'est reparti. Mélancolie. 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 En dessous du bras, mélancolie. Ici, en dessous du sein, sous la côte, mélancolie. Au pouce, mélancolie. Index, mélancolie. Majeur, mélancolie. Mélancolie, ici, mélancolie. Et sur le dessus de la main, mélancolie. Et là, on va chanter la bouche fermée. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va. Vous allez inspirer. Vous allez expirer profondément. Et on va voir, je vais aller voir les petits commentaires, s'il y a d'autres commentaires. Oui, c'est ça, Jean-Luc, tu peux te joindre à nous, tu peux le réécouter ou tu peux te joindre à nous maintenant. Patricia, le mot désespoir monte, ma belle chérie, c'est ça que tu dis à partir de maintenant. Caro, toi, tu travailles ta flore intestinale. Très bien. Alors, mélancolie, bactérie E. coli, ça, c'est du grand Caroline. Alors. On reste avec notre mélancolie. Marie-Elle me dit, j'ai des frissons, c'est parfait, ma beauté, c'est parfait. Je me sens vraiment calme, parfait, Jennifer, c'est très bien, ça circule partout dans mon corps. C'est ça que ça fait, le FT, c'est magique. Je dis moins de tristesse et c'est moins douloureux.
Parfait, Louisette, c'est super. Lana dit, ça fait vraiment du bien. Frisson pour Nathalie. Chantal, incertitude monte. Ben, dit incertitude. Suzy, peut-on le faire pour mélancolie, mais dans nos vies antérieures? Oui, Suzy, tu y vas. Si tu sais qu'il y aurait peut-être de la mélancolie dans tes vies antérieures, tu le fais dans tes vies antérieures. Valérie me dit, me sens légère et chaleur au cœur. Je fais la vague. Suzanne me dit l'énergie circule. Voyez-vous, c'est ça que ça fait le EFT. C'est tellement puissant. Moi, je pense que tout le monde sur la Terre devrait connaître le EFT. C'est un outil d'un facile. Vous voyez comment c'est facile, rapide et extrêmement puissant et libérateur. Extrêmement. Donc, c'est le fun. Émilie, des frissons. Oui, c'est ça que ça fait. Ça fait des frissons, ça fait des bâillements, ça fait de la chaleur qui circule. On est en train de s'alléger le body. C'est parfait. Combien de tours pour séance de vie quand on pratique? Ben, écoute, tu le fais, tu peux le faire tant que tu t'en ressens le besoin ou tant que tu as du temps. On peut pas trop le faire. On peut pas trop le faire. Donc, alors, c'est comme ça. Donc, on va faire un autre tour. Grande sensation de bien-être, me dit Ivan. Et savez-vous, la chose vraiment importante à savoir, c'est que quand on le fait en groupe comme ça, là, on est 80 quelques là. Et là, il y a plein de monde qui va l'écouter. C'est que nous sommes des êtres d'énergie, on est interreliés, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est comme ça que ça marche. Et même si il y a des gens ici, un peu partout au Québec, qu'il y a des gens en Europe, qu'il y a des gens en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a des gens qui m'écoutent dans beaucoup, beaucoup de pays de la francophonie, énergétiquement, il n'y a pas de différence. Donc, on est tous liés. Et par cette façon qu'on est liés, le faire ensemble, c'est plus puissant. Moi, dans mon bureau, quand je le faisais juste à deux, Marielle est à Calgary. Voyez-vous? Donc, on le fait comme ça et ça fait pouf, ça fait un plus, 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 plus. J'ai fait deux fois pour l'enlever. Ah, c'est pas grave. Bon, alors, vous pourrez lire le texte de Caroline plus tard. Elle vous fait comme de la symbolique, c'est intéressant. Donc, pour le moment, on va laisser un peu comme les commentaires et on va revenir faire un autre tour. Moi, je vais encore dire mélancolie. Vous, vous direz ce qui est là pour vous présentement. Et là, pour notre dernier tour, parce que je crois que ça pourrait. Oui, merci Caro, j'avais expliqué tantôt, mais merci de donner autant de détails. C'est parfait. Ce qui peut être très intéressant pour terminer un EFT, c'est de le faire avec une tonalité positive. Vous voyez? Donc, on pourrait, là, peut-être tout de suite, hein, vous voyez l'idée, là, on l'a fait quand même 3, 4 tours, j'ai pas compté les tours, puis je perds la notion du temps. Donc, je vais aller voir, il est quelle heure? 39. OK, on fait un dernier tour mélancolie, et après ça, on fait un tour positif pour clore la soirée. Est-ce que ça vous tente? Merci, Caro, pour la définition du dictionnaire. Parfait. Alors, mélancolie, vous pouvez aller choisir des mots là-dedans. Spleen, chagrin, cafard, déprime. Bon, dépression, à mon avis, c'est vraiment plus fort que mélancolie, mais là, ça, c'est le dictionnaire. Nostalgie peut ressembler plus à mélancolie, tristesse, amertume. Bon, alors voyez-vous un peu ça. Donc, on y va, on fait un autre tour sur mélancolie, et là, on va changer de côté. Qu'est-ce qu'on tapait moi, j'ai tapoté ça, on va aller tapoter l'autre côté. OK, c'est toujours bon de changer de côté dans nos méridiens pour mieux faire circuler l'énergie. Donc, changez votre petite main de côté. Et on va aller refaire un tour. Moi, je vais dire mélancolie, puis vous, ben, vous direz ce qui est là pour vous. OK, alors on y va. OK, alors mélancolie. Et on va sur le côté. Mélancolie. Et en dessous. Mélancolie. Mélancolie. Oui, mélancolie. Et en dessous ici, mélancolie. Et en dessous sur la côte, mélancolie. Le pouce, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Et mélancolie, mélancolie. Et sur le dessus de la main, mélancolie. Hein, moi, je préfère l'autre main. Hein, tantôt, je faisais tout le temps. Alors, on peut changer de main, comme ça. Et là, vous allez inspirer. Expirer. On va chanter la bouche fermée. On va compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5.
Et on va chanter la bouche fermée. Je vous rappelle, on va faire une bascule des hémisphères du cerveau. Inspirez profondément. Expirez. Et là, ben, on a fait vraiment plusieurs circuits de EFT. Pour les gens qui se joignent à nous présentement, ben, je vous redis qu'à partir de cette semaine, à tous les mercredis soirs, je vais faire une séance de EFT de groupe sur un thème que j'ai testé en kiné. Et que ce soir, ben, on a testé mélancolie. Alors là, avant de terminer notre pratique de ce soir, on va venir faire la polarité positive. Donc, la joie, hein, pourrait être ce qui est le pendant dans les polarités à la mélancolie. Ça pourrait être le plaisir, ça pourrait être l'amour, ça pourrait être. Alors là, je vous laisse choisir votre polarité positive. Choisissez pour vous, là, qu'est-ce que vous voulez venir installer dans votre vie qui est l'autre côté de la médaille de la mélancolie dans la polarité positive pour venir faire un point zéro. Et moi, je vais dire joie, parce que pour moi, la joie présentement dans ma vie, c'est très important. Donc, je vais dire joie. Et vous pourrez dire amour, paix, plaisir. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Et on va le refaire. Puis là, ben, je vais vous donner une petite variante. Alors, on va commencer doucement. Attends, je veux juste voir. Nathalie me dit, est-ce que l'énergie qui circule nous fait parfois se balancer? Oui, ça peut faire ça, Nathalie. Oui, Chantal, ça peut être enthousiasme, ça peut être joie de vivre, Jennifer, bonheur, joie. C'est parfait. Vous prenez le mot qui vous parle le plus. Et là, on va faire deux tours positifs, mais on va le faire sans arrêter. OK, on va le faire, puis je vais faire une petite pause, inspire, expire, et on va le refaire. On va venir installer la polarité positive. Moi, je vais dire la joie. Nathalie, tu peux dire harmonie. Tout est parfait. Et on va venir faire le point zéro. Donc, et je vous invite à essayer de le faire des deux doigts. On va faire nos deux choses en même temps. Donc, moi, je fais joie. Alors, on y va. Un, deux, trois. Joie. C'est sûr que ça a l'air étrange, mais Colin, vive l'étrangeté du bonheur. Joie. Les deux, pour les porteuses de lunettes, c'est difficile. Joie. 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 Mais joie. Comme ça. Joie. En dessous. Joie. OK, l'autre main, joie. 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 Alors, on chante la bouche fermée. Un, deux, trois, quatre, cinq. On inspire, on expire. Et on fait joie. 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 Oui, joie. 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 En dessous, les côtes, joie. Et on fait le pouce, joie. On va faire l'autre côté. Pouce, joie. 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 Ah, pas lui, le petit doigt. Joie. Ici, joie. Côté, sur le dessus de la main ici. Alors, je vais chanter la bouche fermée. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire et on expire. Et on a installé l'autre polarité. Donc, voyez-vous comment c'est merveilleux et combien c'est facile. Venez me dire comment vous vous sentez, parce que je ne vois pas de pouce, je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de petit bonhomme, je ne vois pas. Alors, venez me dire comment vous vous sentez. On a fait plusieurs circuits. Alors, on est parti de mélancolie et là, ben, on vient de faire de la du positif. Donc, on a fait joie. Il y en a qui ont fait harmonie, il y en a qui ont fait bonheur, joie de vivre, enthousiasme. Alors, venez me dire comment vous vous sentez. Louisette me dit « Wow! » Donc, j'imagine, Louisette, que tu te sens bien. Alors, venez m'écrire comment vous vous sentez. La puissance du groupe est incontournable. La puissance du groupe, quand on fait ce type de travail énergétique-là,
est extrêmement puissant. Qu'on soit en présence réelle ou pas, c'est extrêmement puissant. Oh, hé, alors, la pleine commentaire là, qui vient d'arriver, je vais aller lire ça. Très bien, calme, dit Émilie. Louise-André, plus d'acceptation. Bravo, Louise-André. Lucie, soulagée. Je me sens très bien, réénergie. Nathalie, Anne est contente. Jennifer, remplie de joie de vivre. Lol, yeah, légère. Louisette, j'ai le sourire aux lèvres. Tantôt, j'avais les larmes aux yeux. Yeah, vraiment contente. Tatiana, bien libre, énergie. Lana, j'ai envie de rire, mais rie. Heureuse. Chantal, Nathalie, grande joie. Francine, très calme. Geneviève, relax. Wow, Suzy, plus légère. Céline, fatiguée, ça se peut. Quand on fait de la libération émotionnelle, un beau grand verre d'eau, pas un beau dodo. Nathalie, motivée en lion. Wow, oui. Mirella, de la joie. Yeah, sereine. Alors, je vais vite, là, calme, très calme. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Motivation. Jacinthe, elle a l'air contente. Manon, la puissance de l'inviter en groupe. Oui, Manon. Wa-ta-tao. Jojo, il faut que je me pose plus longtemps avant de sentir quelque chose. Parfait, ma belle Jojo. Tu prends ton temps. Détendu. Massozène, Caroline Curgeon. Chantal, relax, yeah, on fait la vague. Alors, ce fut notre première expérience. Je vous invite à continuer de peut-être installer ça dans votre semaine. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre petite séance EFT sur un thème inconnu que nous découvrirons tout le monde ensemble et ça va être magique. Pour moi, le faire ensemble, c'est la clé. Depuis que j'ai parti le mouvement 21 jours pour s'élever ensemble, je le sais, je le sens dans chaque fibre de mon être, les gens me le partagent, à quel point le faire ensemble fait toute la différence. Donc, yeah, on le fait ensemble et ça va être comme ça tous les mercredis. Il y a une belle journée s'élever ensemble et la semaine prochaine, je vais vous en parler un peu plus parce que là, on a pris plus de temps aujourd'hui pour faire beaucoup de EFT puis c'est parfait, mais il y a une belle journée s'élever ensemble. Plus de la moitié de la salle est déjà vendue pour vraiment une journée complète de dégager du transgénérationnel. On va faire du EFT à peu près 100 personnes en même temps. On va faire d'autres techniques de libération. Il y a des thérapeutes qui vont vous tester et qui vont vous donner des clés importantes sur ce que vous avez à dégager au niveau transgénérationnel. Il va y avoir une méditation en fin de journée avec un soin, avec des bols de cristal. C'est dans un centre magnifique. Je vais vous en reparler à Montréal. Donc, j'ai mis le lien si jamais ça vous tente. Je me sens très détendue, me dit Jean-Luc, en suivant ta démarche. Ça me fait vraiment plaisir, Jean-Luc. Très, très, très heureuse que tu aies pu te joindre à nous. Merci, Anne. Merci d'avoir été là. Ah oui, tu peux faire, Nathalie, 3 circuits sur le sentiment positif et 3 sur le négatif positif. C'est parfait, tu peux le faire en alternance aussi. Oui, namasté, ma belle Manon. Namasté. Est-ce qu'on fait seulement la version positive cette semaine? Non, ben faites-la en alternance, Patricia. Regardez qu'est-ce qui est là pour vous. C'est quoi l'émotion qui est là? Venez vous accompagner dans ce qui est là. Mais on va rester sur notre thème de mélancolie, tristesse, si vous voulez, pour vraiment faire un beau dégagement en profondeur pour que la semaine prochaine, on puisse rentrer à un autre niveau. Oui, Nathalie, je suis vraiment contente. Oui, bonne semaine dans la joie, tout le monde, me dit Nina. Oui, alors voilà. Hey, merci à vous toutes. Merci de vous être joints à moi. Merci d'être présent et d'être toujours là les mercredis. C'est une grande joie pour moi de partager avec vous. Yvan me dit merci beaucoup encore. Grande joie, ma belle Yvan, d'être là et de pouvoir vous accompagner. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bonne intégration, bon accompagnement. La balle est dans votre camp. Vous allez faire un bout de chemin cette semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer notre route ensemble. Alors, je vous salue. Je vous souhaite une belle, belle, belle fin de soirée. On est calme, on est zen, on est serein et c'est magique. Voyez-vous comment c'est magique? Ça se fait comme ça, yeah, allez. Très bien. Alors, bye tout le monde, bye bye, à la semaine prochaine, bye.